Bon, comme promis, une petite vidéo sur le démarreur. Là, je l'ai enlevé. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à enlever le cache moteur en dessous. Il y a juste deux boulons au-dessus à enlever et un au-dessus. En fait, il y en a. Attends, je dis pas de conneries. Il y en a un au-dessus. Il y a un câble de brancher, donc c'est la masse. Et après il y a, ça fait des grandes tiges quoi, des grandes tiges. En fait, c'est tenu par ça. Voilà. Donc là, jusque là, c'est le démarreur. Et après, le câble il est branché là, sur le bout qui reste, quoi. Avec un écrou. Donc ça c'est du, là c'est du 19, 18, c'est du 18 et au-dessus c'est du 12. Voilà, les écrous sont. Les écrous sont là. Donc il y en a un qui est en dessous, un au-dessus et un autre. Voilà. Donc il y a deux tiges comme ça enlevées. Qui tient le démarreur, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et le branchement, il se fait ici là. Je sais pas si on voit. Voilà. Le branchement, il c'est ça. En fait, c'est une petite languette, c'est une crosse quoi. Une cosse, une fiche. On voit la petite languette rouge là. En fait, il faut la tirer. Attention, faut faire attention parce que c'est vachement fragile. Il faut la tirer et après ça vient. Il n'y a plus qu'à tirer dessus, sur la cosse et ça vient tout seul. Voilà. Donc là, tout est démonté. En fait, j'ai juste enlevé la batterie comme on peut voir. Le filtre à air. Et on a directement accès au démarreur. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, moi j'avais des pièces. J'avais des pièces. Donc j'avais déjà le démarreur. Là c'est un Valeo. Et celui-là, le noir, c'est celui d'origine. Le nombre de dents correspond. Donc j'ai compté les dents, c'est impeccable. L'angle, ici il faut bien vérifier que l'angle c'est le bon. Donc c'est le bon angle, il n'y a pas de problème. Tu n'auras pas de soucis pour changer. Voilà. Impeccable. On voit bien que les trous c'est les mêmes. Les trous principaux. Et celui-là, celui-là. Et celui-là. Et il faut bien calculer le nombre de dents. Donc il n'y a pas de soucis. Le branchement derrière, on voit bien que c'est le même, la fiche c'est la même, voilà, donc c'est exactement pareil, il n'y a pas de souci, le branchement est le même, donc il n'y aura plus qu'à remonter, voilà, même chose en sens inverse.